Le milieu du PSG est-il inquiétant? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du milieu du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors les amis, est-ce que le milieu du PSG est inquiétant? Oui, pour moi, franchement, c'est inquiétant. Lorsque tu compares le milieu du PSG à celui peut-être du Bayern de Munich, à celui peut-être du Real de Madrid avec les pas Casemiro, Casemiro est parti avec les Modric et surtout Bellingham qui vient d'arriver, qui est monstrueux avec Bellingham, avec Tchouaméni, avec Valverde et Toni Kroos. Franchement, c'est du très très lourd par rapport au PSG, par rapport à City, Rodri, De Bruyne qui va revenir, Bernardo Silva. C'est du très très lourd. Donc, pour moi, je trouve le milieu du PSG encore beaucoup trop léger. Encore léger. Après, Lucien Riquet peut bonifier ses joueurs, peut le bonifier. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le milieu du PSG est inquiétant? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce sont, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.